Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente un tout petit véhicule, le RAM en version TRX. TRX, c'est comme vous pouvez le voir, hein, c'est une version encore un petit peu plus élargie, encore un petit peu plus haute, un petit peu plus énervée. On a là-dessous un V8 6 litres de compressé, donc je vous montrerai juste après, prêté par American Car City. Un concessionnaire qui est un petit peu connu hein, sur la région parisienne et à Lyon, qui depuis 1999 vend des voitures américaines. Ils ont la gentillesse de nous prêter ça aujourd'hui pour pouvoir faire un essai assez démentiel, parce que c'est pas tous les jours qu'on essaye ce genre de bébé. Enfin, je me sens vraiment petit, c'est assez intimidant. On va voir sur la route, comme d'habitude, on fait un essai assez détaillé sur les petites routes, sur les routes de campagne. On va voir que c'est un petit caractère assez sportif, hein. Ça fait un petit peu plus de 700 chevaux sur 4 roues motrices, 2,4 tonnes environ. Mais ça devrait être quand même assez marrant, surtout la sonorité. Ah, les Américains, ils savent toujours nous faire rêver avec ce petit V8. Donc, comme d'habitude, on fait le tour de la voiture à l'intérieur et ensuite, on va l'essayer sur tout type de route et peut-être voir si on a 2-3 endroits dans l'herbe, voir ce que ça donne. C'est parti. Au niveau de la longueur, 5,91 m jusqu'à là-bas. Regardez, il faut quand même un petit peu de temps pour aller jusqu'au bout. 2,23 m de long, 2,23 m de long, c'est vraiment la largeur d'un camion sur la route. On prend vraiment toute la place dans les petites rues. On va serrer peut-être un petit peu les fesses. Et 2,03 m de haut. Donc voilà, moi je suis 1,80 m. Voilà ce que ça donne. Au niveau de la garde au sol, on est sur 30 cm de garde au sol, 33 cm de débattement à l'avant, 33,5 cm de débattement à l'arrière. On a des suspensions Bilstein qui ont été adaptées à ce véhicule. On va voir plusieurs modes de conduite, ça va être pour la terre, les cailloux, le sable, un mode auto, un mode badjab pour aller dans les dunes, faire n'importe quoi, et un mode sport, puisque ben voilà, on a quand même 700 chevaux avec le 6 litres 2 qui est caché juste là-dessous, qui va nous permettre d'avoir pas mal de puissance, de couple surtout. Ce qui est important avec ce genre de voiture, c'est surtout le couple. Ce V8 développe 882 Nm de couple, c'est juste camionnesque. Donc aux 4 roues motrices avec une boîte automatique à 8 rapports. Donc les 8 rapports, bon, ce sera peut-être pour cruiser un petit peu plus si on va faire de l'autoroute ou autre. Mais ce qui est bien, c'est que ça fait des rapports un petit peu plus courts. Et avec ça, on va pouvoir vraiment passer partout, 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 partout. Et vous allez même pouvoir tirer un camion. On a des gros crochets d'attelage arrière. Ou pouvoir bien remplir la benne pour... je sais pas moi, les travaux que vous avez à faire ou si vous avez des choses à livrer chez quelqu'un ou un petit déménagement. Au niveau du prix, si vous voulez en acheter un en TTC, on va être entre 150 000 et 185 000. Aujourd'hui, on vous présente un modèle quasiment full option à 185 000 euros avec un intérieur assez cosy, des petites options assez marrantes comme vous pourrez le voir et surtout donc cette version TRX. On a un réservoir jusqu'à 124 litres sur cette version. Ce que ça consomme un peu, on va être aux alentours des 20 litres en moyenne. On va être... rarement en dessous, mais on peut souvent être au-dessus si on a le pied un petit peu lourd. Ouais. Donc le TRX, c'est un RAM, mais beaucoup plus orienté vraiment tout terrain. Je pense que les amis, si vous nous regardez des États-Unis ou du Canada, c'est quelque chose qui vous parle. En France, c'est pas forcément le type de modèle qu'on va avoir le plus, mais je pense que pour la montagne, ça doit être cool. Si vous faites comme moi du VTT de descente, vous mettez les vélos derrière, vous arrivez tout en haut. Je pense que ça doit être le feu et on peut même, à mon avis, faire des pistes avec ça. Ah là, comme vous pouvez le voir, vous avez vraiment ces parties-là qui sont élargies, comparé à un RAM normal. Normalement, ça s'arrête plus à ce niveau-là. Là, on a vraiment des flancs élargis, donc on a de l'air qui va rentrer là, qui va ressortir sur les côtés. Je vous montrerai ça sur les côtés. C'est juste assez impressionnant. Alors, c'est vraiment fait pour donner cet aspect massif. Là, c'est pareil, on a plus d'1,50 m entre le bas et ici. 1,50 m, c'est la hauteur d'une petite demoiselle. On a sur l'avant des feux full LED. On a également ici les petites LED qui s'allument. Alors, je vais vous les allumer. Donc, toujours ce côté un petit peu à l'américaine. Donc, avec les trois LED orange juste ici. Là, on a les feux. On a bien sûr du full LED aujourd'hui. On a pareil les petits rappels ici. Donc, qui, en gros, donne une idée du gabarit du véhicule. Parce qu'on peut se faire surprendre. Ça peut être assez impressionnant. Toujours la grosse écriture RAM ici sur l'avant qui nous permet de reconnaître ce que c'est parce que bon, on n'a pas forcément l'habitude nous. Une entrée d'air ici qui est réelle qui va permettre de venir gaver l'air pour le compresseur à l'intérieur. Donc compresseur sur ce moteur 6 litres 2, donc supercharge, supercharge c'est pour justement ce compresseur. Une partie ici qui laisse rentrer de l'air, pareil pour aller refroidir tous les radiateurs derrière. Une caméra à l'avant, on a des caméras avant et arrière qui sont de très bonne qualité. On ne penserait pas que les Américains faisaient ça, mais c'est mieux que beaucoup d'Européennes. Je suis assez surpris. Une partie ici, pareil, donc qui est assez dure. Donc ça, ça a l'air. C'est du métal. Deux gros anneaux
ici qui vont vous permettre de pouvoir extraire quasiment n'importe qui. Si vous avez quelqu'un de coincé sur la route, vous fixez les anneaux ici, donc qui sont fixés au châssis. L'appareil, une partie métallique, la plaque un petit peu façon type américaine. Et on a notre partenaire American Car City qui nous le prête aujourd'hui. Pareil, des anti-brouillards ici. On a même les radars de parking à l'avant et à l'arrière. Puis moi, enfin, je suis toujours assez bluffé, quoi. Vous avez vu la taille du truc? Pour ouvrir le capot, bah, hop, comme tout le monde. Bon, là, on tombe directement sur un gros cache, donc avec marqué TRX. Et on a le moteur qui est positionné vraiment beaucoup plus loin. Donc, on a l'axe des roues ici et il est vraiment positionné vraiment à l'arrière. Donc ça, ça va jouer aussi un petit peu sur la répartition des masses. Il vaut mieux recentrer un petit peu sur le véhicule. Pareil, on va voir pendant la conduite, parce que bon, c'est assez spécial. Hein. Il faut pouvoir l'emmener 2 tonnes 4, c'est positionné très très haut. Pareil, le moteur est positionné à peu près sur cette hauteur-là. Donc au niveau du centre de gravité, bah pareil, ça va forcément prendre un petit peu de roulis, même si on a des suspensions qui vont normalement bien corriger l'assiette et faire le job. Bon, le capot, pareil. J'espère que vous n'êtes pas trop petit, parce que sinon, vous n'allez jamais jamais l'atteindre. Sur le côté, pareil, hein, donc ce très long véhicule, toujours très haut. Un marchepied ici, donc qu'on a en option, qui sera vraiment bien pratique pour pouvoir accéder à l'intérieur du véhicule. Comme vous pouvez le voir, donc c'est un véhicule avec une benne à l'arrière. Donc, il va y avoir un avantage à ça. C'est lorsque vous allez acheter ce genre de véhicule, malgré le fait que ce soit une voiture qui fasse 700 chevaux, un V8 de 6,2 litres, ça pollue un petit peu, mais vous allez être exonéré de malus. Oui, bonne nouvelle. Donc au final, sur votre carte grise, c'est homologué en tant que camionnette plateau, ce qui fait un CTTE qui nous permet de ne pas avoir de malus. Et ça, c'est quand même un gros avantage. Et également, pour les véhicules de société, vous n'aurez pas à payer de TVS. Ah oui, parce qu'on a cet avantage fiscal. Intéressant, hein. Donc là, on peut vraiment voir les 30 cm de garde-sol. Regardez, je peux me coucher en dessous, je pourrais aller rouler. En vrai, si vous avez besoin de faire une vidange, vous pouvez le faire directement d'ici, voir ce qui se passe juste en dessous. Le petit rappel, rame ici, donc là on voit les parties élargies donc qui font ressortir l'air d'ici. Alors je ne sais pas si dans les arches de roue, non, ça ne vient pas évacuer l'air ici, c'est juste vraiment fait pour passer là. Donc c'est vraiment créé pour élargir la voiture et c'est tout. Des grosses poignées type frigo, une grosse partie vitrée, les rétroviseurs qui sont assez hauts, je vous reparlerai ça à l'intérieur. Des jantes en 18 pouces à l'avant et à l'arrière. On est sur des pneus de 325 de large. Jantes de 18 pouces avec des freins qui sont un petit peu plus performants sur cette version TRX, parce qu'il faut quand même les arrêter. 65 de hauteur et surtout des pneus tout-terrain qui vont permettre normalement de franchir quasiment tous les obstacles. Petite particularité sur ces pick-up, c'est qu'il y a une partie avant et une partie arrière. Et en fait, là, quand on voit, il y a un joint et cette partie est vraiment détachée. Donc en gros, on peut soulever toute cette partie qui est posée sur un châssis et laisser la benne ou par exemple juste enlever la benne. Et ça, c'est assez impressionnant parce que là, on le voit vraiment. Qu'il y a une réelle séparation. Donc pareil, si vous abîmez la benne, bah, on n'est pas obligé de changer toute la voiture, on peut juste par exemple s'occuper de cette partie-là. Ça, c'est un avantage. Donc comme je vous disais tout à l'heure, 355 mm de débattement à l'arrière, 300 à l'avant. Alors je ne sais pas si moi, je vais vraiment faire le poids. Non, en fait, je ne vais même pas bouger la voiture. Sur l'arrière, donc toujours version pick-up, on a la caméra de recul qui est intégrée ici, le RAM, normalement, on ne devrait pas le rater. TRX ici qui nous indique la version un peu plus extrême. Les marchepieds à cet endroit-là, donc là on a une partie plastique, on a de quoi connecter les prises pour les remorques, la plaque d'immatriculation ici avec l'éclairage, les supports pour les attelages, pareil avec toujours des prises ici pour se connecter, deux gros anneaux, pareil pour tirer comme à l'avant ce que vous souhaitez, et les deux échappements que je vous ferai écouter juste après la fin de la présentation à l'arrière, je pense que vous allez bien aimer. Donc ici, je peux baisser mon hayon qui est retenu gentiment, donc il ne tombe pas d'un coup, ça c'est une bonne chose, et surtout, j'ai juste ici, hop, à venir tirer un petit marchepied qui me permet de monter facilement. Donc soit vous êtes très souple, vous montez directement par là, soit vous pouvez venir juste ici et cette partie, même là, la benne ici, donc la partie coffre qui s'ouvre est assez solide. À l'intérieur, on retrouvera ici, si on vit aux États-Unis, en Californie, on pourra parler aux gens de l'intérieur lorsqu'on est dans la benne, parce qu'on a une petite vitre qui s'ouvre et de l'éclairage donc, que je peux allumer. Alors je ne sais pas d'ici, non, j'ai un petit bouton là qui m'allume 3 LED de chaque côté. Normalement, je crois qu'on a un petit peu plus d'1m71 en longueur et 1m63 de large. Donc, on peut se faire des pique-niques ici, hein, si on veut. Et au cas où vous voulez protéger un petit peu le contenu, on peut avoir des couvre-bennes qui permettent d'avoir une partie fermée à l'arrière pour aller faire ses courses. Par exemple, à Carrefour, c'est pratique. Et pendant qu'on est sur l'arrière, regardez, je vais vous montrer donc directement ici, on a aussi sa petite roue de secours qui est positionnée juste là. Donc ça, c'est quand même pratique, surtout avec ce genre de voiture. Et là, on peut voir tout le différentiel un petit peu sur la partie arrière.
Au niveau des phares arrière, donc on les a là, on a du LED également. Donc cette fois-ci, on a par contre de fausses évacuations d'air ici, mais qui amènent quand même un côté sympathique, comme vous pouvez le voir. Là, vous voyez, c'est beaucoup plus élargi. Ensuite, la caisse est plus à l'intérieur. Donc de base, on prend un RAM et on le met beaucoup plus gros. Par ici, on voit les ailes élargies et qui donnent quand même un air très très féroce à ce petit véhicule. Hein. C'est juste énorme. Sympa hein, le V8. Bon alors là je pense qu'on va passer dans le véhicule le plus spacieux qu'on a essayé sur la chaîne. C'est mieux qu'un Kangoo. Hein. C'est énorme. Toujours assez, je pense que ça va être le mot. Donc je monte sur mon marchepied. Ce qui est bien, c'est que lorsque je monte, j'ai une ouverture qui est ultra spacieuse. Je viens juste m'asseoir. En fait, il y a tellement d'espace. Enfin, on voit que les Américains, ils ont vraiment tout fait en sorte pour que ce soit facile, pratique. Et que ça passe partout et que vous passiez partout. Là, je vais chercher ma portière. Elle n'est pas si lourde que ça en plus, ça c'est une bonne chose. Et l'espace que j'ai, regardez, je peux tendre les jambes presque jusqu'à sous les sièges là-bas. Le siège à l'avant, il est réglé pour moi. Regardez la distance qu'il y a entre moi et le siège avant. Et la vue, là, c'est pareil. Il y a tout ça d'espace entre les deux sièges avant. C'est juste énorme. Je pense que niveau espace, là, on peut difficilement faire mieux. J'ai tous les tapis de sol là qui sont en plastique parce qu'on peut charger des choses. Si on va faire du tout terrain et autres pour éviter de salir à les moquettes, c'est vraiment bien. J'ai une poignée là si mon conducteur essaye de me mener, plus la ceinture. C'est vraiment pas malin. Les finitions sont bien, il y a de l'alcantara, il y a du cuir surpiqué, il y a des plastiques. C'est vraiment mieux que ce qu'il y a quelques années. Hein. Il y a toujours des plastiques un petit peu dur à autre, mais il y a vraiment une belle évolution. Quand il y a quelques années, on regardait les voitures américaines, c'était pas fameux. Hein. Et là, je trouve ça vraiment bien. Le cuir est bien, les surpiqûres. Là, j'ai un accoudoir. Je pense que c'est l'accoudoir le plus gros que j'ai vu de ma vie. Avec une partie ici, pareil, en alcantara, cuir, double porte-gobelet. Et là, franchement, vous pouvez m'emmener où vous voulez. J'ai le toit panoramique ouvrant sur la partie avant, dans une voiture qui fait plus de 2 mètres de large. Normalement, on peut faire ce qu'on veut à l'arrière. Petite chose aussi, bonus, c'est que les sièges s'inclinent. Alors ce qui est bien, c'est que ça fait un peu comme dans l'avion, c'est quand on a, ou dans le train plutôt, c'est quand l'avant s'avance ici, ça s'incline sur le siège. Donc là, avancer, je suis en position relax. Oh, quel kiff! Il y a autre chose, c'est qu'on peut relever hop, cette partie-là pour pouvoir par exemple amener des cartons, faire du stockage. C'est juste gigantesque en fait. Entre la benne et là, vous imaginez le stockage qu'on peut mettre. Là, vous allez chez Ikea, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Une petite subtilité aussi sur la vitre qui est ici. Je vous montrerai ça lorsqu'on sera à l'avant. On peut l'ouvrir de l'avant pour parler ou faire de l'air ou entendre juste le V8. C'est McLaren et Ferrari qui font ça. C'est on a une petite vitre derrière qui s'ouvre pour pouvoir entendre la sonorité, l'échappement. Ah, c'est pas bête ça. Bon, bref, vous avez compris, il y a énormément d'espace. On a la fixation ISOFIX sur les deux sièges d'extrémité. Ici, on a une prise donc 400 watts, 115 volts. Donc, au gros, aux États-Unis, c'est du 115 volts, pas du 230. Mais on peut quand même brancher avec un adapteur, notre ordinateur portable ou autre. On pourra recharger par ici. 4 prises USB, 2 type C, 2 type A. Siège chauffant et ventilé sur les deux sièges d'extrémité. La clim de chaque côté. Alors, on ne peut pas régler la température. On peut juste régler le débit d'air. On aura quand même un bison à l'avant. Mais l'espace qu'il y a dans cette voiture... Regardez, je peux même me mettre comme ça. Et encore comme ça, je suis hyper loin de vous. C'est beau. Sur les sièges, on a des pochettes dans du cuir. Plein de petits trucs pour mettre des stylos, par exemple. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Mais voilà. Je vais vous montrer à l'avant. C'est pareil, c'est tellement spacieux. C'est impressionnant. Bon, allez, c'est parti. On va se mettre à l'intérieur. Donc, comme vous pouvez le voir, le gros marchepied ici qui va vraiment m'aider à monter. Et une fois que je suis dessus, je peux mettre les deux pieds dessus. Et là, j'arrive à bonne hauteur pour venir m'insérer. Donc dans cette voiture, donc la portière ici, je vais reculer mon siège pour avoir plus d'espace. Donc on a des sièges électriques ici, on a le tableau de bord qui ressemble à ça. Alors hop, je recule, alors c'est pareil, voiture américaine, normalement on a énormément d'espace. Donc la portière, du cuir sur piqûre ici, des petits plastiques alors qui ressemblent un petit peu à du carbone, sympa, de l'alcantara. Alors j'aime bien ce mix en fait, un petit peu d'alcantara là aussi, là, du cuir. On a des finitions plutôt cool, en plus là ça sent neuf, c'est super bien. La poignée pour ouvrir la porte, des enceintes Harman Kardon, on en a là
Là, il y en a un petit peu partout dans la voiture. Pareil, là-bas, là-bas, là-bas. Il y en a pareil sur l'arrière. Le point de vue conducteur, ça donne ça. Donc, un volant cuir perforé ici. Donc là, qu'on peut voir de cette façon. De l'Alcantara sur le haut. Les surpiqûres en orange comme à l'extérieur. On a une couleur orange un petit peu spécifique aujourd'hui. Le volant, toujours avec la tête ici. Le klaxon au milieu. De quoi naviguer dans les menus sur le côté. Toujours le téléphone, une commande vocale. Et à droite, les aides à conduite avec un régulateur adaptatif ici. Et on peut le régler. Pareil, se mettre un limiteur si on souhaite. Derrière le volant, on a des palettes. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des palettes. Elles sont coupées ici et ici. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir de ce côté-là. Alors, ce n'est pas très facile à montrer. Donc, derrière, on a des options ici, par exemple, pour le volume ou changer de musique ou autre de ce côté-là. Plus les palettes donc, qui sont sur le bas ou sur le haut. Et en vrai, donc le fait qu'elle soit coupée, ben moi ça me gêne pas du tout parce que souvent on est là-haut, donc on conduit là, ou si on est en bas, on peut juste tirer du bout du doigt. Elle marche que d'un côté. Normalement, voilà. Le volant, donc pareil, un petit peu de l'Alcantara sur le bas, une sorte de petit mais plat. Sur la gauche, on a les essuie-glaces et les clignotants. Hop, plus ça, et à droite, donc on n'a rien du tout sur cette version. Sur la gauche, un aérateur ici, on a aérateur au centre également, ce grand écran on y reviendra dès qu'on démarre la voiture, pareil le TRX là-bas, des poignées ici et ici pour lorsqu'on va monter dans la voiture ou faire du 4x4, les feux qu'on peut allumer ici, on a bien sûr un mode automatique, les anti-brouillards, régler les luminosités dans l'habitacle, et ensuite tout en bas là, ça va être pour le frein à main. Ça va être hop avec le pied et le pédalier en aluminium juste ici. Pareil, vous pouvez voir qu'il y a énormément de place. Alors, il n'y a pas un vrai gros repose-pied ici. On a juste de l'espace. Donc bon, c'est pas une voiture sportive. Mais voilà. Dans les portes, on a pas mal de rangements. On a deux portes gobelets ici, plus là, des grands rangements. Alors, ça va pas être forcément pratique de mettre de grandes bouteilles. Et pareil, ça, c'est de la mousse. C'est plutôt bien. Ça va permettre, même si vous mettez des clés, des pièces ou autres, que ça vibre pas. Très très bien. Plus un rangement ici également pour les téléphones, par exemple. Le volant est réglable, lui, en hauteur et en profondeur. Pour ouvrir le capot moteur, c'est juste ici. Et je vais vous la démarrer pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, le bouton sur le côté et écoutez. Ah, c'est quand même très, très sympa. Bon, on a un bel écran ici qui nous donne plein d'informations sur les températures, les modes dans lesquels on est. À gauche, le contour. Oh là là, ça va être très excitant cet essai. La vitesse, donc ça monte jusqu'à 200 km/h. On va pas faire ça aujourd'hui, je vais avoir peur sinon. On a un affichage tête haute, alors je sais pas si vous pouvez le voir là ici, donc affichage tête haute, bien pratique avec ce genre de voiture, parce qu'on a vraiment envie de regarder la route, parce que regardez, là quand je regarde ici, j'ai juste les hanches énormes, plus, alors je vous avoue que le petit miroir là aide bien pour se stationner. Pareil, le rétroviseur ici, donc qui nous donne sur l'arrière. Le grand toit panoramique, on peut ouvrir toute la partie avant. Et regardez l'espace qu'on a à l'arrière. Enfin, on a vraiment l'impression qu'on est dans un deux pièces. Les gens à l'arrière sont très très loin. La petite vitre là-bas qui va venir s'ouvrir grâce au petit bouton ici. Et regardez, alors hop, vous avez vu, j'ai la petite vitre électrique. Et là c'est pareil, donc ce qui me permet. Oh, j'entends très très bien le bruit d'ici. Donc, je vais refermer. Hop. Donc le compteur ressemble à ça, on peut ensuite naviguer dans les menus, les infos du véhicule, les pressions des pneus, la température, voilà, on peut avoir vraiment pas mal de choses. Comme on peut voir à chaque fois, ça fait défiler la petite barre juste en bas. On a énormément d'informations, pression d'huile, durée de l'huile, tension de la batterie, température de l'admission, la puissance moteur, ah, ça va jusqu'à 1080 Nm. Waouh, c'est plus que prévu ça. On a la puissance de la batterie, la pression d'huile juste ici, le kilométrage, le kilométrage de la voiture, et à gauche donc des menus. On peut ensuite faire défiler vers le haut, avoir des informations par exemple sur le différentiel, la suspension, l'articulation des roues, le degré, l'appareil. Je peux avoir l'angle de braquage de volant qui s'affiche avec les roues, le roulis et le tangage. Donc ça va nous servir par exemple lorsqu'on va faire du 4x4. On a vraiment beaucoup d'informations. En vrai, on pourrait rester au moins 10 minutes à parler juste de ça. Pression, température là-bas et le plein d'essence ici, donc 124 litres sur cette version. Le bouton pour démarrer, ici on choisit nos modes. Donc les modes, on aura donc soit le mode Badja ici. Alors j'essaye de vous montrer un petit peu mieux. Voilà,
On aura donc les modes Badger, Rock, Mud, Sand, Custom qu'on va personnaliser, Automatique, Snow, Tow pour tirer quelque chose, Sport et Badger. Donc on fait le tour à chaque fois. Donc les modes, on les change juste ici. Ensuite, on a les blocages de différentiel. Donc ça, c'est en auto, bloquer les axes. Et ensuite, en haut et en bas, selon ce que vous allez faire comme type de terrain. On a également un launch ici, donc qui va nous activer. Launch control indisponible donc pour le moment. Donc. Ensuite, on a un petit truc spécial ici. Donc ça, plus ça, ça va être pour la remorque. Alors, c'est un truc très spécial. Il y a d'autres vidéos sur Internet où on n'a pas de remorque. Mais en gros, on va pouvoir gérer l'angle de la remorque et reculer automatiquement. En fait, c'est une sorte de parc assist de remorque et on va pouvoir régler la direction de la remorque grâce à ça. On a un écran de 12 pouces juste ici, la clim sur les côtés. Donc bien sûr, tout est tactile, les réglages, les caméras, le mode SRT où on va pouvoir par exemple avoir des pages de performance. Les drive modes que je vais pouvoir personnaliser, là par exemple je suis en sport, tout est en sport, les manettes on, etc. On peut déconnecter les palettes. On peut avoir donc tous les modes ici, sport, tow, snow, auto, custom qu'on personnalise, mud, rock et badger. Badger c'est vraiment pour les dunes de sable. Et ensuite je peux configurer le mode sport en rentrant ici et avoir par exemple dans mon mode sport des modes custom également. Ensuite on a un accueil avec par exemple les températures et autres, des petits widgets que je peux personnaliser ici. Je peux avoir le GPS, la radio ici, pareil, le téléphone, la navigation en plus grand écran, téléphone, véhicule et des applis comme ici par exemple là où je peux avoir tous. Donc ça va être comme une sorte de smartphone ici. Donc rapidement, activer les services Alexa, Android Auto, l'assistance, les avis, le Bluetooth, câble auxiliaire, caméra auxiliaire que je peux brancher sur ma remorque, caméra avant, caméra de recul, caméra vue des alentours. Donc il y a plein de caméras, chauffage passager, conducteur, le confort, Device Manager, c'est selon ce qu'on va connecter, les drive modes, des aides, navigation, performance pages, donc ça va être pour les options performance, les options course par exemple ici. Donc par exemple activer le launch control ici, à combien de tours je veux partir. Par exemple je peux programmer et je veux que ça monte à 3000 tours et que ça lâche à 3500 tours. Témoin de changement de vitesse, je peux l'activer à combien je veux, en première, en deuxième, en troisième, selon le couple que je vais avoir. Ça c'est plein de petites informations vraiment très techniques. Refroidissement de la course, pareil, il va nous donner les températures cibles et que je roule pour que je puisse refroidir tout ça. Donc pareil, on peut retourner dans les applis et en fait on a vraiment pas mal de choses, les profils de conducteur, je peux personnaliser des choses, la radio, les réglages du véhicule, je peux aller là et avoir tous mes réglages juste ici. Ensuite j'ai des prises aux ici, aux 1, 2, 3, 4, les bip-bip à l'avant, à l'arrière, des prises USB ici, USB type C en haut, USB type A là, le aux ici, de quoi ranger mon téléphone qui peut glisser. Ici, de quoi mettre les téléphones, chargement par induction. Pareil, on peut mettre même une grande tablette ici. La clé, par exemple, qui est là. Donc, on a encore du rangement là. Cette partie-là, double porte-gobelet. Donc, on a du rangement, ça se referme. Le levier qui est revenu. Normalement, c'est une molette qui ressemble à ça, qui est ici pour le secteur de rapport. Là, on l'a ici. Donc, par exemple, quand je passe en mode reculé, j'ai ma caméra de recul qui se met là. Je peux avoir vu rétroviseur gauche, rétroviseur droit pour mes roues. C'est plutôt pas mal. Caméra à l'avant. Comme vous pouvez voir, la qualité est plutôt bien, ou à l'arrière, je peux y retourner de cette façon. Le neutre, le drive, et si je bascule sur le côté, je passe en boîte sportive. Un petit emplacement ici pour mettre les petites pièces, et là, un compartiment juste là, donc on peut mettre ce qu'on souhaite. Ensuite, on a une prise USB à l'intérieur également, et en dessous, on a un énorme compartiment. Donc cette partie n'est pas modulable puisqu'on a le sélecteur de vitesse juste ici. Et regardez, petit détail sympa à l'intérieur, c'est une sorte de T-Rex avec le RAM et un bonhomme juste ici. Donc pas mal de choses. Et là, on a plein d'informations avec la tangente, le cosinus, le sinus. Si vous vous perdez quelque part, que vous voulez faire des mathématiques, vous avez plein de choses très très pratiques ici. Alors ça doit sûrement être pratique pour pouvoir faire du 4x4. Alors je vous avoue, je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon, pourquoi pas. TRX marqué sur le siège, ou encore l'étiquette, celui-ci est tout neuf. Voilà le siège, un gros siège bien confortable, du cuir, de l'alcantara un petit peu sur les côtés pour le maintien latéral. Pareil, on voit que c'est assez rembourré, ça remonte et on est vraiment bien confortablement installé. La place passager ressemble à ça, la boîte à gants, hop, qui n'est pas si grande. Alors c'est peut-être la seule chose qui est petite dans cette voiture, la boîte à gants. On a un rangement également ici, donc ça nous fait une double boîte à gants. Là, il y a pas mal d'espace. Hop, je peux refermer.
Et voilà à quoi ça ressemble. Donc on a le volume, mute, la clim ici, et je peux éteindre mon écran si j'ai plus envie de l'avoir. Les warnings en haut, l'alerte de franchissement de ligne, une prise 12 volts également ici, l'Alcantara, le petit rappel RAM, hop, ça. Puis voilà, et ce long capot là que vous voyez, le truc est juste énorme, hein. Enfin franchement c'est impressionnant. Bon, là-haut je ne vous ai pas montré, là-haut il y a pas mal de petites options aussi. Donc ça, ça va être pour baisser l'ouverture de la remorque. Avec les portes, la lumière, le SOS, l'assistance, allumer mes LED sur les côtés, ouvrir le toit panoramique, juste tilter le toit panoramique, ouvrir le rideau et la petite fenêtre arrière que je vous ai montré. Le rétro ici, donc sans bord, très sympathique, avec des réglages juste ici et là-haut. Donc ça, on a l'habitude, surtout aux États-Unis, d'avoir ces portes de garage. Donc dès que je vais cliquer, ça va ouvrir la porte de mon garage à la maison. Bon, bah, je pense qu'il ne reste plus qu'à l'essayer et se faire plaisir avec. Bon allez, c'est parti pour l'essai de ce RAM TRX avec un gros V8. Et ce qui est bien, c'est que je peux voir ici à chaque fois s'il y a deux supercharges au cas où j'oublie. Bon, normalement, on n'est pas censé oublier quand ça démarre. Le son est quand même très très agréable. Ceinture, hop, donc les sièges, comme je disais, je suis bien dedans. Et ça bouge un petit peu. Est-ce que ça bouge quand je fais ça? Ah non, il n'y a pas tant d'inertie que ça. On aurait tendance à penser que la voiture va bouger. Mais non. Donc on va commencer en mode tranquille. Donc là on est en mode, on va se mettre en mode auto. Mode auto, ça va gérer en fait concrètement au quotidien. Donc drive, on va se tester un petit peu, voir comment ça braque. On est sur un parking. Alors je vous avoue, heureusement qu'il n'y a pas d'autres voitures. Le rayon de braquage n'est pas si déconnant que ça. On voit la taille du bébé. Les caméras de recul sont top, les 360 c'est pareil, au final la qualité est vraiment bonne. Hop. Et bah eh, en deux manœuvres. Et ensuite ça part tranquillement. Donc là on a vraiment un point de vue super haut. Alors on a un capot très très long, il faut faire attention parce que les ailes sont assez élargies. Et en vrai, après ça se conduit plutôt facilement, la direction est agréable. C'est pas trop lourd. Quand on voit la taille des pneus, des roues et tout ça. Donc on a une boîte auto, 8 rapports. Ça passe les rapports. Alors c'est pas à mon avis une double embrayage là-dessus. Voilà, quand je vois le scooter paraissait tout petit. Alors là par contre il faut faire gaffe parce que c'est énorme. Oh, j'ai l'impression d'être assis sur le toit de l'Opel qui vient de passer. Et en fait caresse l'accélérateur gentiment. Je pense que si vous prenez un donut un peu trop vite, vous appuyez trop fort sur l'accélérateur, vous allez faire un go to the moon. Alors ça bouge un petit peu, pourtant on a 30 cm de débattement, mais on sent que ça reste quand même assez ferme. Donc on va voir dans les virages si on prend du roulis ou pas. La direction, bon en vrai on s'y fait. Si on a l'habitude de conduire des grosses voitures, c'est assez facile. C'est sûr que si vous venez d'une Twingo, ça peut être peut-être plus compliqué. Il faut juste apprendre à anticiper un petit peu la longueur et la largeur surtout. Tant qu'on n'est pas dans des trop petites rues, ça devrait le faire. En tout cas, sur de la zone urbaine comme ça, ça va. Tant qu'il n'y a pas trop de monde qui vous croise dans les petites rues. Alors je pense pas qu'il y ait de start and stop là-dessus. Ça m'étonnerait. Non, il n'y a pas de start and stop. Allez. J'adore la sonorité. Alors, ce qui peut être cool, c'est d'ouvrir la petite fenêtre à l'arrière. Comme ça, ça nous permet en même temps de respirer de l'air frais. Et... en fait, ça change tellement tout. Le bruit d'un V8 américain, ça a tellement rien à voir. Bon, allez, on a quelques petits virages, on va voir. Ouais, ça s'appuie quand même un petit peu. On sent que c'est lourd. Alors. Les trucs dans le coffre. Merde. Oups. On avait laissé les trucs dans le coffre. Bon, en fait, ce qu'il y avait dans la benne, on avait oublié de l'enlever. C'est reparti. Donc, on disait, qu'est-ce que ça donne un petit peu en tangage, alors. Bah, en vrai, là, on est en mode auto. Alors, ça bouge un petit peu, mais je m'attendais vraiment à ce que ce soit très, très mou, alors que pas du tout. Et sur un freinage, alors, dommage que j'ai pas de vrai repose-pied pour pouvoir bien y me mettre, mais c'est pareil au freinage. Alors on sent qu'on a un véhicule assez lourd, mais ça, c'est pas plongeant.
Je suis assez bluffé par la suspension. En fait, Bilstein ont bien travaillé sur l'amortissement. Après, on a des ressorts. C'est sûr que si on n'avait pas les suspensions Bilstein, ce serait totalement différent. Mais le fait que ce soit piloté, ça essaye de garder la voiture quand même assez à plat. Et c'est plutôt agréable. Hop. Et c'est vrai que le fait d'ouvrir la petite fenêtre derrière, ça fait quand même bien plaisir. Donc ça passe les rapports sous les 2000 tours, même à 1600-1700 tours. Là, on peut conduire vraiment en conduite coulée. Donc c'est là, dans ce genre de conditions, qu'on fera à peu près les 20 litres au 100. Parce que bon, gros bébé, gros moteur. Ensuite, quand on va aller s'amuser un petit peu, ça va être différent. Alors, j'ai aussi mes aides à la conduite ici. Donc je vais me régler par exemple, hop, ça, cruise control. Hop, je me règle la vitesse. Et voilà, 70 km/h. Mon régulateur, je dois être à 1200 tours minute. C'est agréable. Alors, ce qui peut être marrant avec ça, c'est qu'on peut vraiment aller faire du tout-terrain à n'importe quel moment également. En vrai, quand on a un régime stabilisé sur les petites routes de campagne, on sait qu'il y a un gros moteur, mais c'est plutôt calme et agréable. Ça s'entend pas trop. Et on peut relancer si on a juste le pied droit qui nous chatouille. Bon, sur les petites bandes là qu'on a l'habitude, on les sent quand même. En fait, la suspension est assez ferme. C'est assez perturbant quand on voit le véhicule, on se dirait vraiment que ça va être très très mou. Alors peut-être que selon les modes qu'on va mettre, par exemple le mode où est le mode sable, toc, send et ça. Alors est-ce que c'est plus mou? On va monter un petit peu sur le rond-point là. Ah non, ça reste quand même assez ferme. Je suis assez bluffé. Je m'attendais pas en fait que ce soit rigide comme ça. Selon les modes, ça va aussi jouer avec le différentiel, la carto, et on a un petit mode sport. On va essayer juste pour voir également. Donc le mode sport qui rend tout un petit peu plus sportif, ça va pousser les rapports un petit peu plus loin. Et normalement, si on accélère un petit peu, les pieds planchers. Alors le moteur fait une très belle sonorité. On voit le compteur qui monte très vite. Mais c'est pas sensationnel. On pourrait s'attendre à ce que ce soit fou. En fait, comme c'est une 4 roues motrices, déjà ça motrice super bien, ça va très bien s'arracher du sol. Mais en fait, c'est pas fou. On va essayer en partant de zéro là, on est sur une petite route où il n'y a personne. On se met au milieu, on s'arrête. Alors ça devient tout calme, paisible. On a toujours le petit ronronnement du V8. Et si je mets pied dedans, le départ, on est déjà à 100. Le départ en fait est hyper impressionnant. Je pense qu'au feu, c'est assez incroyable. Je pense que même de l'extérieur, les gens doivent se dire waouh, qu'est-ce que c'est que ce machin. Ok, le 0-30 est assez impressionnant. Il est donné pour un 0 à 100 en 4 secondes 5, ce qui est quand même des performances très très honorables. Les supercars d'il y a 15-20 ans, c'était à peu près ça les chronos. Mais assez bluffé. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça marche comme ça. Mais d'un côté, je m'attendais peut-être à un petit peu plus de sensations. Après, c'est pas fait pour faire la course, on va pas aller faire du circuit clairement avec ce genre de voiture. Mais si on a besoin, on sait qu'on a du répondant. Et ce qui va être avantageux, c'est le couple et la puissance de cette voiture, selon ce que vous allez faire. Mais je pense qu'en montagne, en fait, ça doit être super cool, parce qu'on va monter vraiment tout type d'obstacles. Et dès qu'on a une ligne droite, en fait, on peut quand même s'amuser, parce que ça chante quand même assez bien. Au niveau du freinage, ça n'a pas l'air mauvais, on va tester un gros freinage. Là je réaccélère un petit peu. Là, sur un très gros freinage. Ok. Sur un gros freinage, on sent qu'on a un énorme pick-up, ça cherche un petit peu la route. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il ne s'affaisse pas trop sur l'avant. Mais c'est pareil, les bandes, non, on les sent quand même assez. C'est assez marrant. Et après je peux jouer avec mes palettes. Ah non, il faut que j'active ça. Ok. Bon, on a quand même un truc un petit peu utilitaire. Donc. Là, on a de la terre, du champ, 30 cm de garde au sol. Bon, normalement, on est censé pouvoir passer partout. Bon, comme on peut voir, là, je passe d'ici. Là, il n'y a personne sur les routes. Je repasse là. Bon, on va dire que c'est le gros avantage. On ne va pas forcément se poser de questions. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Même là, je peux refaire demi-tour. Bon, ça bouge un petit peu. Mais c'est le côté fun du 4x4. Normalement, même s'il y a de la gadoue ou quoi que ce soit, vu les pneus et les crampons qu'on a, ce sera assez marrant. Celui-ci serait très très fun de l'emmener là où on a emmené le Duster la dernière fois. Là, je pense qu'on passerait vraiment partout.
Et l'avantage, c'est que là, dès que je ressors de là, hop, je peux réaccélérer. Je pense qu'en fait, ce bruit, on ne peut pas se lasser en fait. Ça monte jusqu'à quasiment 6000 tours. Et c'est quand même très agréable hein, cette mélodie de... Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'on ne le sent pas du tout, en plus qu'on monte très haut. On monte à des vitesses, on atteint très très vite les 100 km/h. Bon, et l'avantage, c'est que par exemple pour les ronds-points, bah, avec 30 cm de débattement, on peut passer tout droit. Bon, on a le droit de le faire. J'ai regardé le code de la route, il n'y a pas de ligne blanche autour du rond-point. C'est considéré comme un terre-plein. Et je peux y aller, sans problème. Bon, c'est vrai que les gens nous regardent avec des yeux un petit peu ébahis, hein, d'un air qu'est-ce qu'il fait. Mais ça, on peut le faire. Et ça, on peut pas le faire avec toutes les voitures. Bon, on a un petit enchaînement de virages, vous me voyez peut-être pas très bien là, et on va tester un petit peu l'enchaînement dynamique pour voir ce que ça donne. Donc on a quand même le mode sport, je repasse en mode sport. Hop, alors il y a beaucoup de modes. Mode sport, là on est pas mal, et on a 2-3 virages. Allez. En fait, ouais, le 0,50 c'est quasiment instantané, à chaque fois ça part vraiment bien. Alors, qu'est-ce que ça va donner là-dessus? En virage. En fait, c'est assez effrayant parce que c'est tellement gros, tellement lourd, on sait pas trop ce que ça va donner. Waouh! Vous avez déjà vu les courses de trucs américains là qui sautent, etc. On a l'impression de se croire là-dedans. Alors en vrai, ça tient quand même plutôt bien la route. Mais on n'a pas envie d'y aller trop vite. Mais ah, le moteur, il emmène quand même. Par contre, au freinage, faut faire gaffe, c'est pas des vrais pneus route. Envie de s'amuser. En fait, c'est difficile, on redevient très très vite enfant avec ce genre de voiture. Et je pense que quand on accélère comme ça et qu'on s'approche de quelqu'un qui nous voit arriver dans son rétro, je pense que la personne doit se dire oh là 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 là. Parce que la taille du bébé, en fait, mon capot arrive au-dessus du toit de la Clio devant. Ça doit être très impressionnant. Ensuite, on repasse en ville. C'est tout calme, c'est tout doux. Mais il y a quand même le... Quand on a des petits murs en pierre comme ça, ça résonne. C'est juste extra. Déjà m'arrêter tout doucement. Ouais. Le mec, en fait, là devant, voit juste la calandre. Il voit juste le RAM. À mon avis, il saura ce que c'est. Bon, comme d'habitude, vous connaissez la chaîne, on fait bien sûr tout type de route. Donc on va aller s'insérer sur l'autoroute, voir ce que ça donne. Donc normalement, l'insertion devrait être assez rapide. J'adore cette voiture. En fait, on s'y fait vraiment bien, à force. Les gens nous regardent quand même un petit peu d'un air, waouh, quel gros machin. Et la direction, en fait, on s'y fait bien. Juste, voilà, dans les petites rues un petit peu étroites, mais là, par exemple, c'est de l'autoroute, c'est de la route roulante. Pas de souci, je suis en mode automatique. Je suis à 70, en fait ça relance tout seul, il y a tellement de couple, on n'a même pas besoin de dépasser les 2000 tours minute, et là je relance un petit peu, ça tombe les rapports assez facilement. Là je suis déjà à 100, en fait je sens pas du tout la vitesse. Hop. Je vais me mettre sur la voie de gauche. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec ça on vous laisse passer. Et là, le petit son est très très sympa, et là je suis à 110, donc là je peux me remettre mon régulateur, hop, 7, je me mets 110, j'ai l'adaptatif. Donc ça, c'est bien quand même, lorsqu'on va faire de la route, d'avoir un régulateur adaptatif. Donc là, ça ralentit devant, ça ralentit, ça accélère, ça retourne jusqu'à la vitesse indiquée. Bon, à 110 km/h, en vrai, je suis plutôt assez surpris, c'est assez bien insonorisé. Vu la taille des pneus qui font cette taille-là avec des crampons comme ça, on entend forcément un petit peu les bruits de roulement. Mais je m'attendais pas du tout en fait à ce confort là. Et je suis assez bluffé. Et là ça va passer donc à 130 par ici. Donc je vais monter ma vitesse. Hop. Alors ce qui est bien, c'est que si vous êtes monté un petit peu plus vite, ça va tomber les rapports. Il y a le moteur qui va quand même vous faire un petit peu plaisir. Et ensuite ça va repasser les rapports. Donc on va se mettre en 8ème ensuite. Donc par exemple pour passer en manuel, donc, il faut basculer le sélecteur ici. Et là je suis déjà en 8. Hop. Je peux me remettre sur la boîte. Ici, bah, vu la taille du bébé, je trouve ça assez impressionnant comment c'est isolé du vent. Ici, j'ai besoin de relancer, on entend
frère, comme je vous disais. Bah, c'est plutôt agréable. Je suis en dessous de 2000 tours, je dois être à 1850-1900 tours. J'ai le son du V8. Bah, c'est franchement agréable. Je m'attendais pas du tout à ça. Ça donne presque envie de partir en vacances avec. Alors, le seul problème, c'est que si vous aimez bien être proche de madame, là, il va falloir aller un petit peu loin. Mais quel espace! Devant nous. Alors, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir passer par exemple en rock, parce que là ça va être un petit peu comme du rock. Donc pour entrer rock, passer en mode gamme 4 roues low. Hop, je passe en low. Donc ici, donc je me remets en parking, je passe en low, je mets le mode rock. Hop. Oh la vache. C'est juste énorme. Les amis, je vois que le ciel. C'est juste impressionnant. La vache. Et là, je suis tout en haut de la colline. En fait, ça y va tout seul. Bon, et là, je suis sur l'autoroute, juste en face. Mais c'est juste bluffant. Je suis bluffé. Bon, et pour la descente, je me suis mis les caméras qui vont bien m'aider à savoir où aller me diriger. Je passe en sport, comme ça je reste sur le rapport que je veux. Alors ce qui est bien, c'est que ça me guide là où je vais pouvoir aller mettre mes roues. Et là, je vais pouvoir redescendre. Oh, c'est ultra, ultra impressionnant. La vache, on dirait qu'on va tomber. Oh, c'est ouf. Et là, je peux m'arrêter ici. C'est juste bluffant. Et si j'y vais un petit peu sur le côté, c'est bon, ça passe. Oh, oh la vache! Je pensais pas pouvoir faire ça. Et là, c'était vraiment très, 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 très raide. Et après, bon, en gros, genre une petite montée de garage, ça devient très tranquille. Hein. Hop, je me remets en marche arrière. Alors, ce qui est bien, c'est que ça me repasse la caméra en marche arrière. Lumière. Hop. Donc comme c'est une 4 roues motrices permanente, ça y va tout seul. Hop. Et hop, on essaye de pas s'arrêter. Oh là là, j'y vois que dalle. J'ai oublié ma caméra, caméra vers l'avant. C'est juste bluffant. Franchement, je trouve ça hallucinant. C'est juste dingue, j'adore. Et ça y va tellement, en fait, juste sur un petit filet de gaz. La voiture, il y a tellement de couple, tellement de puissance. Et c'est là qu'on se dit, ok, ça sert à ça le couple et la puissance. Parce que sinon, en vrai, c'est pas très utile d'avoir 700 chevaux et autant de couples. Alors que là, ça y va vraiment tout seul. Bon, juste pour vous faire des plans d'extérieur, mais je recommence. Parce que c'est quand même très très marrant. Hop, je reste en première. J'ai ma caméra qui me guide. Voilà. En fait, je regarde que la caméra. Oh. Non mais là, franchement, c'est juste bluffant. J'arrive là sur le bout. J'ai vraiment l'impression que je vais arracher un pare-choc. Mais en fait, c'est tellement haut. Et ça y va tout seul. C'est juste ouf. Juste pour le côté fun. Oh là là, qu'est-ce que j'adore cette voiture. Allez, c'est reparti, on se refait une petite montée. Tout seul, c'est juste bluffant. Bon alors, ce RAM TRX, qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est comme vous l'avez vu. Enfin, c'est en fait, c'est juste tout dans l'extrême. C'est très puissant, très gros, très lourd, très spacieux, très très tout en fait. C'est un véhicule qu'on va s'acheter parce qu'on peut se l'acheter et parce qu'on a envie de s'acheter quelque chose de totalement dément. Alors, on aime bien les américaines. Toujours, il y a ce V8 et
Bon, il faut quand même se dire qu'on va pas passer inaperçu avec ce genre de voiture. Surtout avec ce Orange qui est un petit peu spécifique, il va y avoir une série assez limitée. Bon, chez American Car City, ils en ont quand même pas mal. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez aller les voir en stock. Merci encore à eux de m'avoir prêté cette voiture parce que c'est quand même assez fou. C'est pas tous les jours qu'on peut conduire ça. Et l'avantage que vous avez aussi en ayant ce type de voiture, c'est que bah, c'est pas tout le monde qui va avoir ça. Et vos voisins, ils vont se dire « Ah, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'assez original. » Bon, après, niveau budget, c'est vrai que c'est pas donné. Donc, comme on a dit, ça commence à 150 000 jusqu'à 185 000. Mais vous roulez avec quelque chose de différent. Vous pouvez aller faire du tout-terrain, vous pouvez partir en vacances avec, vous avez de la place pour la famille, vous pouvez mettre des vélos derrière, ce que vous voulez, donc il y a quand même pas mal d'avantages. Donc au final, si vous avez par exemple une société, vous avez l'avantage donc déjà payer hors taxe, le fait de ne pas payer de malus parce que bah voilà, il y a un petit peu cette petite combine qui est assez cool, et c'est utile si vous êtes par exemple agriculteur ou autre, bah, on peut quand même faire pas mal de choses, un tracteur limite dans la boue, vous pouvez le sortir avec les gros crochets, avec le couple énorme qu'on a. Bah, franchement, c'est des couples de camions hein, qu'on a là-dessus. Pareil au niveau des moteurs, un 6 litres 2, c'est juste gigantesque. Alors bon, voilà, on peut se faire plaisir avec ce genre d'auto. Moi, si j'achèterais ça, je pense qu'il m'en faudrait au moins un pour mettre les vélos derrière et partir à la montagne sereinement. Après, voilà, c'est pas forcément la voiture faite pour faire des longs voyages, mais on peut quand même le faire. C'est pas une voiture très sportive, mais on peut quand même le faire. On peut surtout aller s'amuser. Alors bon, on va pas le faire parce que c'est une voiture qui est assez récente et vous pouvez peut-être l'acheter hein, si ce modèle. Mais je serais bien tenté d'aller faire le con avec. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, un petit pouce bleu comme ça. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà essayé ce genre de voiture? J'aimerais bien le savoir. Et en tout cas, ça donne envie de s'amuser. Bon, je vous dis à bientôt.